Bonjour à tous et à toutes, ici Zeus des Ténèbres. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur City Skyline. Voilà, je prends une tour, j'avais un petit blanc. Alors, on m'a fait penser entre le dernier épisode et celui-là, le Square Florence. Il faudra un jour que je les renomme, voilà, avec les noms des abonnés, je sais pas encore exactement. Mais puisqu'on avait enlevé à la fin du dernier épisode le pétrole, on m'a fait penser à le passer pour le bois, voilà, tout simplement, parce qu'on voit que c'est bien vert, donc il y a quand même pas mal de forêt ici, alors ça sera utile. Là, ici on a un petit peu, mais puisqu'on a déjà des quartiers résidentiels, on va les laisser là. Ici on pourra faire des champs, ce qui sera bien pour la nourriture un peu partout dans la ville. Et ici, même si voilà, c'est bien vert, je pense que quand même ici on va faire des maisons, quoi qu'on pourrait les faire ici aussi, mais puisque je pense qu'ensuite on aura du pétrole ici, ça serait mieux de faire les maisons ici, voilà. Alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, hein. Je vous l'avais déjà dit, c'est ce qu'on va faire. On va enlever le mode pause, voilà. On voit les trains ici, il y en a quand même pas mal. Est-ce qu'ils se dirigent vers nous? Ouais, on dirait. Vers train de marchandises, vers Las Cruz, ça je sais pas trop c'est où. En tout cas c'est pas très grave. Est-ce qu'on a encore beaucoup de trafic? Un petit peu ici, c'est pas la fin du monde. Ceux-là vont où d'ailleurs déjà? Ah, je crois qu'ils apparaissent là, voilà. Je crois qu'ils reviennent de ce côté, ouais. Ça ressemble à ça, hein. Donc voilà, voilà, c'est bien. Si on regarde le trafic, alors c'est où ça déjà? Voilà, trafic, ouais. Un petit peu de trafic ici, je pense que c'est dû à la même chose. C'est dû à ça, voilà. Puisqu'il y en a beaucoup ici qui font le tour, ça ralentit pas vraiment le trafic, ils mettent du rouge, mais je pense pas que ça soit un vrai problème. Ici c'est plutôt bon. Bon, il y a un petit peu de trafic à certaines places, mais c'est pas la fin du monde. Un petit peu ici, un petit peu ici, mais c'est sinon c'est plutôt beau. Donc est-ce qu'on manque d'électricité? Non, ça m'étonnerait. Manque de traitement des eaux usées. Capacité d'évacuation des eaux usées 180 000. Comment ça si peu? Ah ok, je comprends. Alors, on manque d'électricité ici, puisque vous voyez, tout est déconnecté parce qu'il manque des industries. Normalement ça devrait se refaire assez rapidement. Là, vous êtes capable. Voilà, ici c'est bon. C'est de ce côté, puisque les industries sont en train de se modifier. Ça risque de prendre un petit peu de temps. Ce qu'on peut faire peut-être pour aider ça, aller dans les parcs. Et par exemple mettre un parc ici. Voilà, ça devrait peut-être peut-être que si on a de la chance, voilà, ça reconnecte l'électricité, le parc passe l'électricité ici, et ça c'est parfait. Ici, bon, ils en auront pas tout de suite, mais ça va sûrement être détruit. Sinon ici c'est en train de changer, ça c'est parfait. Aussi, ce que je voulais regarder, l'utilisation des poubelles, production de déchets, capacité des incinérateurs 240 000 qui est un petit peu au-dessus, donc c'est parfait pour l'instant. Toujours un petit peu de problème ici. Je crois qu'il va falloir rajouter un incinérateur quelque part de ce côté là. Ici ça devrait être parfait. On n'a pas beaucoup d'incinérateurs de ce côté. Et puisque tout a l'air de bien marcher, on va pouvoir commencer notre nouveau quartier. Voilà. Donc ici il va nous falloir faire une sortie d'autoroute. Par contre, je veux pas les je veux pas faire une petite sortie. Donc ce qu'on va faire, petite route à 4 voies, supporte trafic médium, c'est pas ça qu'on veut. Route pour cyclistes, pourquoi pas, c'est ça qu'on va faire. Donc ce qu'on va faire ici, on va monter d'une case, passer au dessus, redescendre 10 blocs, voilà, comme ça on a un pont, et de chaque côté ici on va pouvoir se relier. On va essayer de se connecter sur ce pont, voilà. Alors on va l'agrandir, hein. Hop, 10 voies, 20 petits blocs de chaque côté, voilà. Ensuite, autoroute, pourquoi coupez-vous tous les arbres? J'espère que notre ville ne se transformera pas en désert. Non, ne t'inquiète pas, c'est voilà, si on regarde, petit terrain de jeu, non c'est pas ça, voilà, c'est le bois de Woody, c'est pas ça que je voulais faire. Ce qui va faire que maintenant on va couper des arbres, donc on va
Voilà, dans le jeu, en fait, on n'en coupe pas vraiment. Hein. C'est plutôt, on dirait qu'ils les font pousser ensuite, ça. Ils les font pousser ensuite, comment dire? Ils les coupent tout simplement. C'est pas vraiment une mécanique plus compliquée que ça. Traitement des eaux usées qui est en... quand même moyen, on va en rajouter un. Bon, même si on est proche du vide, voilà. Ça c'est bon, on coupe un truc. Et maintenant on va passer aux usines de traitement des eaux qui coûtent pas mal plus cher, qui coûtent le double, mais qui rejettent de l'eau pas mal plus propre, ce qui sera bien quand on va commencer à faire ici des un petit peu du tourisme. Voilà. Donc ça c'est bon ici, et on va pouvoir continuer ça ici. Voilà. Alors, de ce côté, il faut faire des entrées-sorties. Alors on va vouloir faire une entrée. Comment? Hop. Et une entrée comme ça. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Par contre, on va juste te dire que tu peux tourner à droite. Je pense, oui. Alors là, tu peux rentrer sur cette voie. Là, tu peux sortir. Ça, c'est bon. Et ensuite. Faut que de ce côté tu puisses sortir rentrer sur la voie. Voilà. Bon, ça donne pas une super belle courbe. On va essayer de d'améliorer ça. Voilà. Voilà, c'est un peu mieux. Un petit peu mieux, voilà. Bon, voilà, ça pour commencer, c'est pas parfait, mais là par contre là c'est une intersection en diamant, ce qui est pas génial. Par exemple, si on est là, on veut aller de ce côté, ça marchera pas, donc il faut faire des voies souterraines qui vont permettre d'aller de l'autre côté. Donc alors, on peut faire oui, ici, hop, en souterrain. Et ensuite, on passe avec ce mode. Hop, comme ça par exemple. Et ensuite, on peut ressortir de ce côté, voilà. Et ensuite, il faut de ce côté pouvoir ressortir. Voilà, là, on rentre. Ah, est-ce que je me suis trompé de sens? On va regarder ça. Alors, il faut que si je... passe par là, il faut que je puisse accéder aux deux côtés. Ça c'est bon pour celui-là. Et si je suis là, il faut que je puisse aller de l'autre côté aussi, ce qu'on ne peut pas encore faire, donc il va falloir relier de l'autre côté là-bas. Voilà. Donc si je suis de ce côté, pente trop inclinée, comment ça, comment ça, voilà, ok. Tourner comme ça, c'est pas grave, on le voit pas, donc pas besoin de trop s'en occuper. Et on va pouvoir ressortir ici, voilà. Puisqu'ensuite voilà, ils séparent en deux ici s'ils veulent aller de ce côté ou de l'autre côté, et ça devrait bien marcher. Donc la sortie est toujours avant l'autre intersection, ça c'est parfait. Maintenant, ce qu'il faut regarder, disons, on rentre ici, on peut aller de l'autre côté. Donc ça veut dire que pourquoi est-ce qu'il y en a qui l'utilisent? Ah, ils veulent faire demi-tour sûrement. Ils veulent faire demi-tour, et ça on va leur interdire. C'est pas vraiment ça qu'on veut. S'ils veulent faire demi-tour, ce qu'on peut leur faire dans le pire des cas, s'ils veulent faire demi-tour, on peut leur faire quelque chose ici par exemple. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est une deux voies. On passe ici, on descend, puis on va faire le tour ici, et voilà, ça comme ça. Comme ça, si on est de ce côté, on peut aller de l'autre côté, et si on est de ce côté, on peut aller de l'autre côté. Voilà. Non, on ne va pas remonter direct.
Je veux pas que tu remontes. On peut faire ça comme ça et ça comme ça. Donc si on est là, on peut changer de tour de sens. Et si on est là, on peut changer de sens. Voilà, ça c'est parfait. Ce qui fait que c'est en tant que tel pas vraiment une intersection. Mais ça leur permet de... voilà, s'il y a des problèmes de circulation ici, voilà, ils peuvent tout simplement utiliser ça ici. Je sais pas s'ils vont vraiment l'utiliser, mais on va voir. Parce que je veux pas qu'ils utilisent cette intersection pour faire demi-tour. Et donc ce qu'on va faire aussi ici, c'est pas Traffic Manager que je veux. Il me semble pas que c'est ça que je veuille. Ça, non, c'est pas ça que je veux. C'est Traffic Manager, voilà. Ici, Traffic. Non, ça c'est pas ça que je veux. Rajouter des signes de priorité. Où est-ce que c'était ça déjà? Ah voilà, c'est ça. Je l'ai retrouvé. Donc, disons qu'on arrive ici. Ça, je veux seulement que tu puisses tourner à droite. Pas, pas tourner à gauche, parce que s'il veut tourner à gauche, il peut rentrer là et aller là. Et en tant que tel, le pont, ça ne change rien. Donc, si. Voilà. Et là, tu peux aller là. Ça, c'est bon. Ici, tu peux tourner ici. Oui, c'est normal. Bon, c'est pas idéal. Je sais pas si je veux qu'il fasse ça, en fait. Je sais pas si je veux qu'il puisse tourner à gauche ici. Parce qu'en fait, on pourrait lui donner une autre sortie peut-être. Parce que s'il arrive par ici, c'est la seule façon qu'il peut prendre ce chemin. Ou sinon c'est là, mais il fera pas demi-tour, ça on le sait. Donc oui, s'il arrive par là, qu'il veut tourner à gauche et qu'il veut partir là, mais il pourrait aussi utiliser cette sortie et passer comme ça. C'est comme ça que je le vois. Donc en fait il pourrait... bon, au pire on va le laisser comme ça pour l'instant, hein, c'est pas grave. Et on va par contre enlever cette lumière ici. Ici il peut juste tourner à droite, cela peut tourner à gauche, cela peut tourner à gauche, c'est normal. Et sinon... je pense que c'est tout. Cela devrait... Ouais, c'est ça qui m'énerve. Faudrait pas qu'il puisse tourner à gauche, tout simplement. Faudrait leur interdire. Donc en fait il faudrait qu'ils tournent là et qu'ils utilisent ça ensuite, ce qui est pas idéal, on va se le dire. Mais je pense que je vais faire ça pour l'instant. Et si on voit que ça fait trop de trafic à côté, ce qu'on fera tout simplement, c'est qu'on ira modifier un petit peu tout ce qui, tout comment ça se passe. Donc c'est à dire que toi, je veux pas que tu puisses changer de sens. Et il faut le rouvrir et l'enlever à chaque fois. Voilà. Toi, je veux pas que tu puisses changer de sens. C'est-à-dire que toi, tu peux juste continuer en ligne droite. Toi, tu peux tourner si tu veux, comme ça, ça dérange personne. Toi, tu peux tourner. Toi, tu peux tourner, continuer tout droit. Et donc, comme ça, personne ne fait jamais de virage à gauche. Et ça devrait bien aider le trafic. Voilà. Ensuite, on peut continuer notre route. Faire peut-être quelque chose d'un petit peu plus... luxueux ici. Voilà, petit avion comme ça. Hop, 70, c'est parfait. Alors ça ici, est-ce qu'on a des lumières? Oui, on va les... non, les enlèvera pas ici. Ça devrait pas causer de problème normalement, on va voir. Et ensuite, ah oui, par contre, ce que j'aime pas, c'est qu'il n'y a pas de voie cyclable là, par contre. Sur cela, ça j'avais pas pensé, mais il n'y a pas de voie cyclable. Donc tant pis, tant pis, tant pis. Hop, 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 on enlève tout. On passe aux voies cyclables, voilà. C'est mieux pour le trafic, disons. Puis il nous faut... Est-ce que c'est cela? Non. Que je les trouve. Ah, est-ce que je les avais? Oui, je les avais, en fait. Je les avais, donc. Aussi proche de l'autoroute, non, peut-être pas. On va faire ça comme ça. Peut-être pas aussi loin en fait. Essayer de ne pas faire trop d'intersections. Donc en fait on va juste aller jusqu'ici. Allez, encore une fois, jusqu'ici. Et cela pourra remonter au complet. Voilà.
Ce qui va nous permettre ensuite de faire ça comme ça. Parfait. Voilà, ça, ça nous fait un beau petit quartier. Ensuite, on pourra le zoner, pas de problème. Le zoner jusqu'au bout. Possible à zoner plus loin. On va enlever un petit bout. Voilà, c'est jusqu'ici. Voilà. Ça, c'est bon. Ce petit bout est zoné. Ici. Ensuite, on va faire une intersection. Comme ça aussi. Mais on va la faire ronde. Tiens, celle-là. Pas tout faire carré non plus. On va faire ça. Comme ça. Hop, repasser. Droit. Et on va faire ça comme ça, voilà. Ici, on va continuer parallèle à la au train. Voilà, ça c'est bien. Ici, on va continuer. Ouais, une petite route, ça va être parfait. Laisser un petit peu d'espace de ce côté, pas de problème. Ici, on va laisser un petit espace. On va commencer ici, tiens. Hop, voilà, jusqu'ici. Puis, on va faire pas aussi proche. Voilà. Pas de ce côté. Ça, c'est bon. On va faire ça. Ici. Une rue qui va aller en parallèle. Va se connecter ici et pas de ce côté. De ce côté ça marche pas. Alors, non, ça marche pas, donc on va le continuer un petit peu. Là ça connecte parfaitement droit, ça c'est bien. Ici, continue comme ça, tout droit, et ensuite on va juste supprimer celui là pas le faire exactement. Ah, c'est pas ça que je voulais. Je veux que ça soit droit là. Voilà. Ici aussi, c'est droit, c'est bon. Ça devrait être parfait pour ça. Je pense pas qu'il y aura de problème à desservir ça avec cette intersection ici. Pour l'instant, ça devrait aller. Ensuite, maintenant, il faut zoner ça. On va mettre ici industrie commerciale. Puis on va mettre ensuite quelques bureau, mettre encore du commercial ici, ici, voilà, sur cette rue aussi. On ne mettra pas ça sur cette rue, on va mettre des bureaux sur cette rue, voilà, un petit peu partout. Et ensuite on va mettre du autre résidentiel, voilà, on va mettre tout ça ici. Hop, hop, hop. Ici, ouais. Basse résidence, bas commercial. Et ensuite, densité élevée, tu peux ici, pourquoi pas. Ici, on va mettre encore des résidences et quelques bureaux. Voilà. Alors ça, c'est bien, une belle petite zone. Ça va être parfait. Il va falloir agrandir notre système des eaux. Hop. Hop. Ici, ça devrait être bon. Alors, c'est 440 si je me trompe pas, le chiffre magique. Voilà. Ça c'est parfait. On a tout couvert en trois lignes. Ici on va mettre une autre station de pompage. Et ici, on va mettre une autre station d'épuration, voilà. Hop, ici. Voilà, elles n'étaient pas reliées, ça c'est pas génial. Voilà, ça c'est bien. Ici donc, les résidences vont pouvoir arriver tranquillement. Il va leur falloir de l'électricité par contre. Hop, on tire ça jusqu'ici. Jusqu'ici, passer en face. Hop, si on zoome un peu,
Et on peut arriver ici. Voilà. Premier bureau qui arrive. On n'a pas énormément de demandes pour l'instant, mais ça, ça va vite se créer. Et ensuite, ici, ce qu'on va leur dire, faire un district. Hop. Bon, ça, c'est un truc que j'ai appris. On peut peindre selon les routes. Voilà, bon, ça c'est un peu petit peut-être, et ça c'est un petit peu trop gros. Donc, vous pouvez voir, là j'ai un peu raté, mais vous pouvez voir, on peut peindre en suivant les routes, ce qui permet d'obtenir des districts beaucoup plus précis. Voilà. Hop, hop, là je l'ai raté. J'ai raté un petit bout, mais vous, hop, voilà, comme ça, vous comprenez, ça permet de peindre des beaux petits trucs un petit peu plus droit. Là par contre, je veux pas l'autoroute. Hop, mais je veux ces habitations ici. Voilà, voilà, ça, ça devrait être bon. En enlevant ce petit bout. Ici, tiens. Juste revoir. Qu'est-ce que c'est ici? Voilà, ici c'est quand même bien, bien résidentiel. Donc on va l'agrandir ici. Voilà. Ici, ça me tente de faire un autre quartier. Hop. Allez, deux primes vert et ici ça va être un troisième quartier, pourquoi pas. Voilà, ça c'est bon, trois quartiers comme ça. Ensuite on pourra les agrandir tranquillement, pas de problème. On va voir commencer. Donc par exemple, ce qu'on pourrait faire dans ce quartier qui est peut-être un peu trop petit d'ailleurs, ici, voilà, ça c'est mieux. Hop, est-ce que c'est mieux? Ah, il manque un petit bout. Je vais vouloir prendre le bout ici. Voilà. Ok, ça c'est parfait. Donc, ce que je disais, si on a ça ici, c'est beaucoup de commercial, des bureaux. Donc on va pouvoir dire, ici par exemple, on pourrait dire divertissement. Voilà, comme ça ils pourront s'amuser. Ensuite, pas de spécialisation commerciale, bah, ça va être ici. Donc on n'a rien à mettre. Et les deux, on n'a pas grand chose à toucher à part un petit truc. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Dans les politiques, on va mettre européen. Européen et européen. Voilà. Ça serait bien qu'on puisse le mettre par défaut, mais on n'a pas l'air de pouvoir. Position, ça, ça va. Quelque chose que je veux voir, c'est les crimes. Capacité criminel sur le barreau 36, capacité de prison 60, donc c'est encore bon. Pas de problème avec ça. On va accélérer le temps, voir s'il y a du monde qui commence à rentrer. Ça n'a pas l'air de rentrer trop pour l'instant. En plus, s'ils arrivent aussi lentement que ça, malheureusement, on verra pas de... On verra pas l'électricité arriver partout. Ce qu'on peut peut-être faire pour les attirer, c'est mettre des parcs. Voilà. Plus ça va connecter l'électricité. Peut-être un différent parc. Celui-là est un peu gros. Est-ce qu'il y a une place où il y rentre? Le bâtiment, oui. Placé le long d'une route. Ok, c'est bon. Toute la ville, ça j'espère. Parce que vu comment il était gros, j'espère qu'il couvre une belle portion de la ville. Est-ce qu'on en a d'autres? Place avec table de pique-nique. Voilà, ça, ça devrait être pas mal. Ok, ça c'est bon, ça nous a coûté bien cher. J'espère qu'ils vont être contents. Puis il va nous falloir une petite clinique ici. Tout le monde est heureux. Les pompiers qu'on va mettre en face, ça c'est parfait. La police, voilà, ça demande pas grand chose hein. Bon, là on n'a plus vraiment d'argent, mais l'argent devrait vite remonter. Construction possible observée sur la surface de Mars. Opération internationale pourrait explorer l'anomalie en cours. Vie sur Mars, voilà. Ça marche bien avec ce qui arrive en ce moment, où ils sont en train de penser qu'il y a peut-être de l'eau sur Mars. Voilà, ici ça c'est bon, tout le monde va un petit peu partout. Okay. Ah voilà, ça commence à créer un petit peu de trafic. Bah, c'est que je vous parlais, c'est le fait que là ils vont tous tourner à gauche ici parce qu'ils vont vouloir partir à la place d'utiliser cette sortie. Donc c'est peut-être
Ok, ils utilisent la voie de droite pour tourner à gauche. C'est encore pire. Donc, tant pis, on va le faire. Pour être sûr que ça qu'il nous fasse pas trop de problèmes. Pente trop inclinée. Comment ça, pente trop inclinée? Donc, voilà. Donc, ici. Et là, je veux que tu ailles connecter de l'autre côté. Alors, si on fait ça ici, on te descend d'un autre niveau. Là, on te remonte d'un niveau. Et là, on te fait arriver ici. Voilà. Ça, c'est bon. Et là, si on te prend ici, qu'on te fait descendre d'un niveau de ce côté. Ici, ça c'est bon. Ensuite, on descend d'un autre niveau. Et ici, il va falloir remonter de deux niveaux. Pente. On peut juste le faire jusqu'ici. Et ça, c'est pas génial. Excusez-moi. Donc, il faut trouver une façon pour réussir à se connecter quelque part là. Ouais. On peut faire ça. Ça marche. Ça marche, ça marche. On va voir un étage en dessous. On va aller sur bulldozer ça un petit peu. Hop. Hop. Est-ce qu'on peut trouver un chemin pour se connecter? Pente trop inclinée. Non, je veux pas que tu te connectes à l'inverse. Hop. Tant pis, on va le connecter comme ça pour l'instant, c'est pas si pire. Et là, normalement, il devrait utiliser le système comme il faut. Ici, je leur avais dit par contre, pas le droit d'utiliser cette voie. Ça voulait dire que tu peux juste aller là. Ah, t'as pas le droit d'aller à gauche en tant que tel. Voilà. Ça c'est bon. Ils ont l'air de l'utiliser en tout cas. C'est tant mieux. Ouf, ça crée un petit bouchon par contre. Je veux pas de feu ici, s'il te plaît. Et tu vas tout nous boucher en 3 secondes, ça va être horrible. Lui, t'as juste le droit de tourner à droite, toi. Bon, normalement, c'est juste ça qu'il devrait faire, mais au cas où. Normalement, il devrait pas avoir la nécessité de tourner dans toutes les directions. Voilà. Je sais pas pourquoi, vraiment, des fois, ils ont besoin de petits rappels. C'est assez bizarre. Comme lui, là. Il pense qu'il a le droit de tourner encore. Là, est-ce que je peux ravoir? Voilà, la petite flèche. Alors, hop. Hop. Voilà. Juste le droit d'aller là. Pas compliqué pourtant. Je sais pas pourquoi il y a du monde qui sont allés au fond ici. Ici on voit qu'il y a quand même beaucoup de trafic. On va espérer que c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'installe et que c'est pour ça qu'il y en a pour l'instant. Mais je suppose qu'il va nous falloir plus qu'une entrée-sortie pour cette partie de la ville. Voilà. Parce que là c'est quand même assez gros. Mais bon, ça a l'air de marcher pour l'instant, c'est pas si pire que ça. Ah, c'est juste qu'il faudrait qu'ils utilisent les deux voies un petit peu plus efficacement, disons. Bon, on a 111 000, on va pouvoir mettre des écoles. Une école ici. Une école secondaire ici. Une autre école primaire. Voilà, bon je crois que c'est bien couvert ça. Les transports en commun, ça va bientôt arriver ça. Incinérateur. Ça la partie un peu moins amusante, mais il en faut bien obligé. Bon, on va en mettre, c'est quoi, en face. On va en mettre deux. Bien augmenter notre capacité pour les déchets. Et on va leur tirer de l'eau et de l'électricité parce que je pense pas qu'ils vont en avoir. Hop. Voilà. Voilà. Ça, ça a l'air de marcher. Eux, ils arrivent de l'autre côté. Voilà. Hop. Petit tour rapide.
Là, je crois qu'ils disent qu'ils peuvent tourner à gauche, mais je pense pas qu'ils vont le faire. On va arrêter de jouer avec ça. Ça, ça a l'air bon pour l'instant. Le trafic est pas si pire. Voilà. Ouais, oui, il y a du trafic, mais c'est à peu près fluide. Voilà. On va dire ça comme ça. Ouais, c'est qu'il y en a beaucoup qui tournent à gauche. Pas tant que ça à droite encore, mais c'est moins peuplé. Peut-être si on pourrait faire route à deux voies. Voilà. Utilisez la voie que vous voulez. Voilà. Ça va peut-être leur prendre un petit 2 minutes à s'habituer à ce nouveau type de route, mais ensuite ça devrait aller. Voilà. Double voie tout le long. Comme ça, ceux qui vont vouloir tourner sur pourront le faire plus vite. Et là, par contre, on commence à avoir des petits problèmes de trafic. Ça, on va l'agrandir. Ça, on va tout agrandir au passage. Ça, on va agrandir aussi. Voilà. Alors, juste patienter quelques secondes, le temps qu'ils se mettent à utiliser deux voies. Ok, donc là, ils ont fait deux voies pour tourner. T'es pas un peu con, toi? Ah, toi tu peux aller là. Et toi tu peux aller là. Voilà. Les deux sont bonnes pour aller dans ce sens-là. Allez, vous êtes capable. Vous êtes capable. Voilà. Là, le trafic qui va de plus en plus loin sur l'autoroute. La police, l'ambulance, tout le monde veut y aller. C'est incroyable ça. Et là je pense qu'il va commencer à leur falloir des industries à cela. L'air de rien. Alors qu'est-ce qu'on peut leur mettre aussi? Peut-être les métros qui sera bien à rajouter dans très peu de temps. Et ça sera parfait. Bon ici on va juste attendre un petit peu voir si le bouchon se résout de lui-même. Parce que là il n'y a pas grand chose. Pourquoi est-ce qu'il y a des lumières ici? J'en veux pas. Et j'en veux pas ici non plus. Ça c'est parfait. Okay. Ça avance déjà un petit peu plus. Ok, voilà, lui qui bloque la moitié de la voie, parfait. Ce serait bien qu'il change de voie avant ça, par contre. Hein. Je sais pas pourquoi ils veulent le faire ici pour tout bloquer. Ok, ça c'est bon, on va regarder le nouveau trafic. Ça ici, ouf, il y a du monde ici. Tout ça c'est plein. Ici c'est plein. Et ici ça va à peu près bien, voilà. On voit que nos petits tunnels souterrains font bien l'affaire. Ici par contre ça marche pas. On peut peut-être rajouter des chemins souterrains pour être dans les places où ils s'en vont le plus, mais je voudrais ne pas en rajouter tout de suite, ça serait à mon avantage je pense. Ça c'est bon, ça c'est quoi? Prison, criminel, sous les barreaux. Il va falloir en mettre une bientôt. Et il va falloir mettre un dépôt d'autobus. Et ce qui serait peut-être bien à mettre aussi. Transport, train de marchandises pour ici. Quoique, il n'y a pas l'air d'y avoir une tonne de train de marchandises. C'est surtout résidentiel là qui arrive. Hop. Ah, vous êtes capable. Peut-être ce qui pourrait aider ici, on va voir, ça serait de le passer à une 6 voies. Voilà, on peut essayer. Hop, voilà, 6 voies. Donc là, ça va peut-être aider, c'est pas certain. C'est pas tout le temps que ça aide, mais je pense que ça pourrait aider, puisque ça va laisser maintenant 2 voies pour tourner à gauche. 2 voies pour aller à droite et une voie pour aller tout droit. Est-ce que ça aide? Peut-être, on va vite le voir. Voilà, c'est la nuit, mais... faut attendre encore un petit peu pour le savoir. Si tout va bien, si tout va bien, parfait. Notre eau, ça va très bien. L'électricité, ça va très bien. Est-ce que ça veut dire qu'on peut enlever les poteaux électriques qui sont là? Je pense que oui. Tu en peux enlever les poteaux électriques qui sont ici. Voilà, cela, on doit les laisser. On doit laisser jusqu'à là. En fait, on doit tout laisser ceux qui restent là. Ceux qui sont ici sont disparus. Ceux-là, on en a besoin. Et ceux-là, on en a besoin aussi. Voilà.
Oh, maintenant, oh, ça va. Les déchets, c'est parfait. Ça devrait normalement diminuer tranquillement. Voilà, puisqu'on peut recycler deux fois plus de déchets qu'on en fait. Les écoles, c'est bon. Voilà, pas de problème avec ça. Le bonheur des citoyens, ça va à peu près. Quoique ici, qu'est-ce qui se passe? Les habitants sont malades. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils n'ont pas accès aux soins de santé? Ah non, ils n'ont pas de soins de santé dans ce coin-là. Voilà, là ils devraient être contents. Ce côté ça va, ce côté ça va à peu près bien. Les cimetières, utilisation des cimetières, ça c'est pas génial. Il va falloir en rajouter ici et ici par exemple. Voilà, deux crématoriums, ça sera parfait. Qu'est-ce que... Peut-être ça ici, non, ça on n'en mettra pas. Pour l'instant, on a quand même 3000 places encore en cimetière. Ça m'étonnerait qu'on en ait besoin plus. Ça sera bon donc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Niveau, ça c'est bon. Le vent, on s'en fout. Le trafic routier, ça a l'air de s'améliorer. C'est pas parfait, voilà. Mais je crois pas qu'ils ont encore eu la mise à jour pour leur route. Et je crois que ça nous a encore fait la même chose. Voilà, à chaque fois, nous remettre la foutue lumière. Voilà, on n'en veut pas, c'est ça qu'on veut. C'est que les personnes se mettent beaucoup plus rapidement sur ces deux voies. Et toi, je comprends pas pourquoi tu veux pas dire que tu vas juste à droite. Tu m'énerves. Ça irait beaucoup mieux si vous étiez deux. Allez. Comme ça. Voilà. Il va falloir attendre encore un petit moment pour qu'il s'y réhabitue. Mais là, ça devrait mieux aller quand même. Ici, c'est normal. Il faut une lumière, c'est certain. En tout cas, ici, on a quand même très belle population, je pense. Un petit feu de ce côté-là, ça devrait être réglé. Ici, belle petite table de pique-nique. Si on peut se rapprocher, voilà. Si on peut voir les beaux petits quartiers, se promener ici. Voilà, en construction. Hop, fini. Oh, ici, c'est le petit oiseau qui est là. Si vous ne le reconnaissez pas, c'est le petit oiseau qu'on a juste ici. Je sais plus comment il s'appelle. On va le laisser là. Et je pense que le trafic devrait se réduire normalement. Voilà. Normalement, ils devraient se réduire. On est rendu à 22 000 habitants. Donc oui, je pense que ça va être le temps de passer vers les autobus, commencer à en faire quelques-uns, surtout que c'est des zones densément peuplées ici. Donc il va nous en falloir, il va aussi nous falloir plus d'industrie. Donc au prochain épisode, on partira faire des terrains agricoles ici. Peut-être faire un moyen pour qu'ils puissent se rendre d'ici jusqu'à là-bas, ça serait bien intéressant. Autre que l'autoroute, sinon il faudra faire quelque chose avec l'autoroute pour pouvoir y aller, peut-être en souterrain, on verra. Sinon quoi d'autre ici, voilà, tout est passé au forestier, c'est très bien. Ça, on peut voir pas mal gros les stations d'épuration. Voilà, ici voilà, si on regarde, petit terrain, ça c'est un parc. Fuel, pellet, éco, ici produits bio, ici produits bio, voilà, meubles de qualité, entreprise des amis de la forêt, juste un beau nom pour les coupeurs d'arbres. Un petit peu de trafic là, mais c'est pas la fin du monde. Et ici ça va plutôt bien. Voilà, ici on peut voir le trafic se résout tranquillement, mais c'est la nuit. Or c'est dur à dire si c'est pour quelle raison, voilà, mais ça devrait quand même aider. Sinon voilà, ça on va laisser ça comme ça pour l'instant, c'est bien joli. Là, ça continue à s'augmenter, continue à faire un petit peu plus d'argent, construisez plus de zones, oui, mais ça c'est bon pour l'instant. Donc voilà, comme je disais, prochain épisode, ça sera les transports. Peut-être qu'on rajoutera une station de train ici. Et sinon, prochain épisode, donc on a continué à agrandir la zone résidentielle. On va devoir agrandir la zone industrielle et il faudra faire ici une zone agricole, voilà. Et si je me trompe pas, dernier petit truc, si, peut-être commencer avec le pétrole aussi. Donc en attendant, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et on se dit à la prochaine. Bye bye.